Voilà les amis, donc on se retrouve pour la troisième partie du Let's Play de Days Gone. Donc sur PS5. Yep. On va aller porter les bandages. Je devais faire ça dans la dernière vidéo, mais j'avais plus assez de temps. Oups, c'est pas par là que je dois aller, je dois prendre, j'ai encore loupé le pont, je parie, ouais. Ah ouais, ma moto est en panne, c'est juste. Costaud, hein. Ah putain, y a quoi, hein? Ouais, toi les primes, mais maintenant il faut récupérer la moto qui est par là. Et comment je fais pour la pousser? Ah ouais, comme ça. Putain, je vais devoir avancer comme ça jusqu'à... Ah, c'est quand même, il y a quand même une trotte. Hein. On va voir si on peut pas récupérer du carburant en route. J'aime bien comment il se laisse aller quand il y a une petite descente. Est-ce qu'on va pouvoir passer inaperçu ici? Hey, rassurez-vous, j'en ai pas fini avec vous. Je vais revenir. Oh putain, il y a un loup. Yeah.
Ou alors je vais devoir laisser ma moto ici. Peut-être là, reprendre maintenant et revenir avec là-bas. Oh putain. Allez putain, mais j'ai plus ma... Ta serde. Hey, bienvenue en
en enfer, saleté de mutant. Je vais pouvoir aller récupérer ma moto. C'est chaud boulette à cette partie. Il y en a partout. On est en train de s'en courir, on va pas. T'es allé où ma bécane? J'aurais peut-être plus vite fait d'aller quelque part à pied chercher de l'essence à revenir, mais on va tenter comme ça quand même. Oh, fils de pute! Oh putain! Sale fils de chien là! Chaud boulette. Ça on s'est récupéré ou pas? Ah on peut les... Ah bon si on peut les prendre et... Ça doit être bon. On n'aura pas beaucoup avancé dans cette vidéo, mais bon, moi je joue, allez, je coupe pas, je vais pas tricher
sont des trucs hors vidéo. On est bientôt là normalement. On les entend mais je les vois pas. Je pense pas, de toute façon ils m'ont pas encore capté là. Sinon la petite map en bas à droite elle deviendrait rouge. En réalité la prochaine fois Joe, pense à mettre de l'essence dans ta moto. Allez, on y est. Voilà, on y est. Ah, je viens de le dire. Boozer, j'ai trouvé des trucs pour ton bras. Il est plus là. Ah si. Il est peut-être mort, non? Boozer. Putain. Bordel, Dick. J'aurais pu te faire sauter ta tête d'abouti. Montre-moi ton bras. Non, c'est bon. Allez, fais voir ton bras. Je gère. Hey, putain. Hey Dick. Merci mec. Écoute, j'ai moins tiré, d'accord? Ça va aller. Allez, mission terminée, t'aurais dû tirer. 750 en confiance. Rêve de faim. Retourner au camp ennemi de la tour radio de cascade. Ok, tac. Par contre, je vais devoir essayer de trouver de l'essence. Je pourrais en faire quelque chose. Ben ça, t'en auras toujours besoin, petit. Batte de baseball. Voyons voir. Là, il y en a. Bidon d'essence. Et voilà. On devrait pouvoir en mettre un bidon là sur le côté à l'arrière pour en avoir toujours sur soi. Hop. C'est pas parce que je vais devoir faire tout le tour. J'ai un peu trop tôt là pour tourner par contre. Ah non, c'est ici. Oufti. On va essayer dans les descentes de pas appuyer sur la gâchette du moteur, comme ça, ça va peut-être pas consommer autant d'essence.
N'hésitez pas à me dire si ça fonctionne, cette tactique dans la descente de pas mettre de pas appuyer sur la gâchette pour économiser du carburant, ou si je fais ça pour rien. Oh putain. Putain. Là, on va devoir les avoir un par un, je pense, discretos. Où il est passé, putain ? Je suis touché. Ça.
Ni vu ni connu. Non mais oh. Faut pas abuser les gars. Ah ben, tu tires pas du bon côté. Oups. Oups. Chaud, chaud, chaud. Hop, punaise, ils sont plusieurs là-dedans. J'aimerais bien libérer le camp directement, complètement, mais... Peut-être qu'avec ça,
On va y arriver. Plus besoin. Il n'y en a plus qu'une à buter. Je reviens, couvrez-moi. Couvrez-moi, t'es toute seule. C'était le dernier. Putain, combien de mecs t'as mis en rogne? Qu'est-ce que je vais faire? Réparer le... je sais pas quoi. Je vais aller voir là en haut s'il y a quelque chose à faire. Ouais, je pense que c'est là. Non, il y a encore le... il y a peut-être des trucs intéressants. Qu'est-ce que je disais? Tu vas comment là? Non, apparemment c'est pas là que je devais aller. C'est ici. Alors, Bias. Ça doit être ça le générateur. Il est complètement bousillé. Ok, ça devrait être bon. J'avais des balles, tu m'aurais déjà flingué. Je me trompe. Je vous en prie. Si j'ai le choix, j'évite de tuer des femmes. Est-ce que j'ai le choix? J'ai rien du tout. Et nulle part où aller. Voyons s'ils avaient un bunker souterrain dans les parages. Ouf.
Une carte. Et avec plein d'infos en plus. Yes, ce sera déjà utile. Waouh. C'est quoi ? Les plans de fabrication récemment découverts et réalisables sont présents dans le menu de survie. Ah, très bien, ça peut servir. Dès que tu me reçois, c'est peut-être rien, mais j'ai cru entendre des moteurs de bécane. Ça avait l'air de venir de la montagne. Point de compétence. Tac. Résistance. Combat de mêlée, combat à distance, survie. Augmente la durée d'affichage des icônes en mode survie. Permet de tuer des ennemis de plus petits après avoir échappé à leur prise. Et un petit trophée, bon début. Capacité à réparer les armes de mêlée. Capacité de réparer des armes de mêlée avec de la ferraille. Ok, ça c'est cool aussi. On n'a plus de points de compétence, donc... Tac. Je viens de finir de libérer la tour radio pour Copland. Je vais l'escalader pour voir s'il y a quelque chose de suspect. Ah bah, on est bon pour retourner sur... Je suis bon pour retourner là-dessus. Hey Dick, ça va ? T'as pas l'air. T'as pas l'air dans ton assiette. C'est rien. Je me suis juste laissé surprendre par une drifteuse. Heureusement, elle était à court de munitions. Tu l'as laissé partir, je me trompe. Oui, ok, merde. Je l'ai laissé partir. Et quoi ? Un de ces quatre, Dick. Tu vas te faire tuer à cause de tes principes. Ouais, mais bon, peut-être que. Truc me tue un jour ou l'autre. Peut-être qu'elle va nous aider. Par après. Putain, ce que c'est haut. Alors, voyons ce que Boozer a entendu. T'avais raison, il y a quelqu'un sur la montagne. Je vois la fumée de leur feu de camp. Putain de merde, je savais bien que j'avais entendu un truc. Ils sont où, je vais y aller. Non, putain de merde, Boozer. Faut laisser guérir ton bras pour qu'on puisse foutre le camp d'ici. Je vais m'en charger. Oh, merde. Écoute, c'est juste que je deviens ma boule là-dedans, Dick. Et essaie de pas t'endormir, au cas où il viendrait dans ta direction, terminé. J'y suis, presque. Allez, continue. Oh, ça me tue, ce truc. Allez, encore une mission terminée. Localiser le camp. Bon, je vais aller voir où est-ce que j'ai foutu ma bécane. C'est pas par ici. Je pense que c'est par là. Yes. Si je mets la carte
suis là et je dois localiser le camp. On va retourner par là. Je suis pas totalement sur la route là, voilà, ici. On va laisser, comme on est en descente, on va se laisser aller. Oh oui, laissons-nous aller. Grand fou. Saint John pour le camp de Copland. Ça y est, c'est réglé. La tour radio est sécurisée. Et ta liaison radio est rétablie. Oh, waouh. Tu vois peut-être aucun intérêt, Saint-John. Magnifique. Les radios des biches. La seule chose qui nous empêche de devenir des sauvages. Non, Coop. La seule chose qui nous empêche de devenir des sauvages, c'est la bouffe. Essaye de pas manger pendant 3 jours, tu verras. Quand on crève de faim, il n'y a plus de patrie qui tienne. Eh bien, mon cher, j'espère que tu te trompes sur ce point. Terminé. Radio libre en Oregon. Putain, mais qu'est-ce que j'ai... C'est vrai, c'est que tous les... Les gars là qu'on a tués, les corps restent le sur la map. Ah non. Je le saurai quand j'arriverai. Terminé. Dick, la radio est allumée. Je m'emmerdais. Je me suis dit qu'il fallait voir si je savais encore faire des choses. Parce que quand tu peux, je pense que ça me plaira. Oh, Bowser, c'est génial. Ouais, j'en aurais besoin. Bozeman, t'avais raison. Ils se sont installés le long du chemin de fer. Tue ces enfoirés jusqu'au dernier. C'était au programme. Terminé. Merde, j'ai déclenché à piège, moi. Ils sont pas à 4, hein. Comment ça, je t'ai vu? Taillot, on se casse. Il y en a encore un de piège. Je pensais qu'on aurait pu les désactiver, mais non. Oh putain! Par contre, celui-là, j'avais pas vu. Ils peuvent venir un par un, pas tous à la fois, pour les choper. Où il est passé, putain? Par ici.
ils sont neuf, donc... Sur 9. On est tous des SDF maintenant. Oh putain. On vit dans la nature comme nos ancêtres. Replie ! On se replie ! Allez, qu'il s'en ait un qui fasse le malin, qui se replie pas et qui vienne par ici. Malheureusement, il va pas venir, hein, cet enflure. Allez, il n'y en a plus que deux. Plus qu'un. Et voilà. Vous avez rien à foutre sur le mont O'Leary. Encore une mission de terminée. Ça va, on a quand même pas mal avancé dans cette vidéo. Aux heures, c'est fait. Camp de squatteurs. Maintenant, ils tueront plus personne sur le mont O'Leary. Fais chier. Dick. J'aurais dû être là. Être là pour t'aider. Merde. Allez. Reste tranquille, Boseman. Repousse-toi. On roulera vers le nord quand ton bras ira mieux, ok? Ouais, d'accord. Terminé. Alors, maintenant, où est-ce que je dois aller? Je vais retourner en arrière maintenant. Tu sors? Ouais. Je vais au cimetière pour voir si je peux pas trouver la cage de Léon.
Qu'est-ce que t'as dit? Contente-toi de te reposer, Boozer. File vers le nord dès que tu pourras conduire. Au nord. Ouais. Il y a encore un truc, je vais peut-être aller voir. Hey Dick, t'es là? Je pensais descendre au camp de bûcheron pour me débarrasser des nids. Il y a de plus en plus de mutants par ici. Putain, ouais, il y a des gens. J'en ai vu un. Non, non, tu vas finir par y rester. Il faut que t'attendes d'être rétabli. D'accord? Je suis pas loin de toute façon. Je vais m'occuper de ces nids. Ok? Ouais, ok. Merci, Dick. Il va me falloir des molotovs. Faut mieux attendre la nuit. Il y aura moins de mutants dans les nids. Putain, Dick! J'en ai ras le cul de voir des drifters débarquer dans mon camp et buter des gens comme si on était dans le No Man's Land. Qu'est-ce qui se passe, Cope? Un type est arrivé, complètement défoncé. Il a vidé son chargeur et il s'est tiré. D'après Manny, il y a un réservoir rouge sur sa moto pour porter un casque de motocross argenté. Ok, si je pars maintenant, j'arriverai peut-être à l'attraper. Je le veux vivant, Dick. Vivant? Vivant! Rappelle-moi, c'est tout chop. On viendra le chercher pour le pendre, ce fils de pute. C'est quoi ça? Il est temps qu'on montre à ces enfoirés de drifters qu'on fait régner l'ordre dans ce camp. Je dis pas ça pour toi, hein. T'inquiète, je le trouverai. Ou alors, je m'en occupe pendant qu'il fait encore jour. Ils seront plus nombreux, mais moins malaises. Dick, tu me reçois? T'as dit que tu partais vers le nord? Boozman, non. Tu sais bien que je partirai pas vers le nord sans toi. Ouais, je sais. Je suis juste un peu à côté de la plaque. Avec des brûlures au troisième degré, c'est pas étonnant. Ouais. Bon. Charge-toi d'Alvarez, tu veux? Dick, c'est important pour moi. Je ferai attention à elle, Boozer. Repose-toi maintenant. Terminé. Ça va faire du bien. Et comme ça, on pourra arrêter là pour cette troisième vidéo consacrée au Let's Play. Tac. On va sauvegarder. Voilà, voilà les amis, je vous propose donc qu'on en reste là pour cette troisième vidéo donc consacrée au Let's Play de Days Gone sur PS5. J'espère que ça vous a plu, en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide à référencer la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, jouez bien. Ciao, ciao.